grands, les ouïes, et surtout vos esprits de petites gens, car le chevalier qui s'en vient a défait seul trois sections saxonnes, a combattu à main nue 80 guerriers hachichins, et a coulé un drakkar viking d'un seul regard. Il est de ces hommes qui survolent allègrement le reste de l'humanité. Attends, j'ai pas deux écus, là, j'ai pas de travail, là. Rentre à la maison. Maï, qui donc est cette jeune fille qui nous interrompt en plein discours? Oh, pardonnez-moi, mon roi. Il s'agit là de Marcoton, ma bécasse de fille. Oui, exactement. Puis-je me permettre, mon roi? Permets-toi, également. De cette épée, j'en ai que faire. Bien, entre, comment ça? En revanche, cette pucelle un meilleur prix à mon goût. Ah non. Non mais allô quoi. Il la sort aussi. Galon, vous dites ma fille comme prix à la place de l'épée? Oui. Bien évidemment que... Oui. Avec plaisir. Bien évidemment que non. Qui commande ici? C'est toi, tonton. Bienvenue. Tu peux te permettre, mon oncle? Non, mais toi, vraiment. Le cœur d'une demoiselle ne se gagne pas, elle se mérite. Ah, voilà. Parfait, tu entends ça, Ganelon? Tu devrais en prendre la graine et ne pas oublier les valeurs. Premier de chevalier arrivé en bout de lice aura la victoire. Allons, chevalier en place. Sire Olivier, sire Samson, laissez aller. Et cette fois, un des jeux les plus dangereux qui soit, je vais vous demander d'effectuer au triple galop des figures acrobatiques improbables, mettant en péril votre vie, celle de votre destrier, tais-toi, et celle du premier rang là-bas. Tais-toi. Vous levez le doigt, qu'y a-t-il? Oui, c'est-à-dire que j'ai une épée sur le feu. Ah. Moi j'ai une donzelle sur le feu aussi. Oui. Bien, soit. Quitter ses lits, cela fera de la concurrence en moins. Merci. Que ça ne tienne, le bon camp devra su apprécier vos exploits. Oh la vache, l'étendard. Thank you.